Pierre? Pierre, t'es là, Pierre? Pierre? Pierre! Oh, c'est pas vrai, je rêve, il dort encore. Ah, s'il s'imagine que c'est en faisant des grasses matinées à longueur de temps qu'il va faire fortune, lui. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire le café, évidemment? C'est ma pomme. Je te jure, alors vraiment. Ah non. Ah, c'est pas vrai. Ah non, il n'y a plus de café. Ah non, 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 non. Ah, mais il manquait plus que ça. Ouais! Oh! Bonjour, Paul. Bonjour, Karen. Entrez, je vous en prie. Ça m'ennuie un peu de vous déranger, mais voilà, petit problème, on n'a plus un seul morceau de sucre à la maison. Alors, je me suis dit que peut-être vous pouviez... Ouais. C'est du sucre qui vous manque? Oui. Il n'y a aucun problème. J'ai plus de café, mais alors, le sucre, j'ai tout ce qu'il vous faut. Vous bougez pas, je vais le chercher, hein. Bougez pas. Très bien, merci, c'est gentil. Alors, comme ça, vous n'avez plus de café? Plus un seul grain. Puis vous savez ce que c'est? C'est le genre de truc dont on adore s'apercevoir au réveil, hein. Bah, tiens, bien sûr. Voilà. Si je comprends bien, là, vous n'avez pas pris votre petit déjeuner encore? Non, c'est-à-dire j'allais à l'épicerie là pour chercher le café. Ah, bah alors c'est pas la peine. Ah, pourquoi? Eh bien écoutez, nous on a tout préparé. Non, il manquait juste du sucre. Enfin, le café, ça y est, c'est fait. Hein. On a tout préparé avec mes sœurs et... Ouais. Ah, vous allez vous régaler. Venez, venez. Ah, Karen, votre invitation est plutôt tentante. Bon, bah alors on dit que c'est oui, d'accord? Allez, c'est Ouais, oui, c'est oui. Pourquoi pas? C'est-à-dire... bah non, c'est non, je peux pas, je... Non. Pourquoi? Eh ben, je peux pas parce que... Oh, parce que je peux pas, je voudrais pas vous déranger, voilà, je veux pas vous déranger. Et puis, Pierre va se réveiller, s'il a pas son café dès le matin, il va être d'une humeur massacrante toute la journée, je peux pas. Mais oui, non, mais j'entends bien, mais vous pouvez peut-être, avant de descendre à l'épicerie, prendre un petit café avec nous à la maison, et puis, de toute façon, ça va pas être long, hein, il y en a pour 5 minutes, d'accord? Bien sûr, ouais. On dit qu'on fait ça? Ah ouais, on dit qu'on fait ça, ouais, vu comme ça, c'est... Voilà. Non, non, mais il faut que je prenne ma douche. Ah non, mais alors, écoutez, vous savez ce qu'on fait? Vous allez prendre votre douche, et puis moi, je vous attends à la maison, et on dit que vous arrivez dans un petit quart d'heure, ok? Ça me paraît suffisant, ouais. Bon, ben... Mais c'est parfait, Paul! Ouais, eh ben voilà! D'accord. Oui, si jamais je change d'avis, enfin, si j'ai un contretemps, eh ben on... Paul... N'allez pas avoir de contre-temps, n'est-ce pas? Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Bon, je suis sûre que vous n'allez pas avoir de contre-temps. Non. Bon, ben, je vous attends, alors. C'est génial, je suis ravie. Dans un quart d'heure, ok? D'accord, Karen. Bye. Bye. Et voilà. Ça, c'est Pierre tout craché, ça. Me mettre dans des situations de galère. Merci, Pierre, merci beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été chercher du café? J'en serais pas là. Et je fais quoi maintenant, moi? Je fais quoi? J'y vais? J'y vais pas? J'y vais. J'y vais pas. Dites donc, les filles. Faudrait quand même qu'aujourd'hui, on se décide à aller faire des courses. Il nous manque un tas de trucs. Il n'y a même plus de sucre ni de yaourt. Oh, ça faudrait y aller. Ah, c'est vrai? Eh ben, si tu veux, tout à l'heure, en sortant de la salle de sport, on ira. D'accord. Ah bah c'est une bonne idée. Bon, vous avez fini maintenant? Quoi? Enfin, déjeuner. Hein? Oh, oui, oui, oui. Bon, très bien. Hop, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je débarrasse. T'as bien dit que t'avais terminé, non? Non, mais excuse-moi, j'aimerais bien finir mon café, quand même. Ah, et puis moi, alors, attends, finalement, je reprendrai bien encore une tartine. Ah non, 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 ça, Stéphanie, non, ça, c'est hors de question. Comment ça, non? Bah, bon, écoute, d'accord, maman n'est pas là, mais enfin, je sais pas, moi, sois raisonnable, pense à ta ligne. Non, mais tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Non, mais c'est pour une fois que je peux manger à ma faim. Mais c'est vrai, ça, Karen. Laisse-la manger une tartine, si ça lui fait plaisir. Écoute, je te dis qu'il faut qu'elle soit raisonnable. De toute façon, maman, arrête pas de lui répéter qu'il faut qu'elle pense à sa ligne. Bon, hey, attends, mon café. Non, mais je sais pas si... Stéphanie, tu sais pertinemment que le café, c'est mauvais pour tes nerfs. On te l'a dit 100 fois. Non, mais qu'est-ce qui te prend d'être aussi speed, toi, ce matin? Mais j'ai rien, moi. Je suis en forme, c'est tout. Oh là là, vous avez vu l'heure? L'heure? Ben, il est affreusement tard. Enfin, vous avez dit que vous alliez à la salle de sport. Oui, mais bon, rien de presse, hein. Ben, en plus, vous avez dit qu'il fallait faire les courses, hein. Ah, parce que tu viens pas avec nous? Ah non, moi, je peux pas parce que j'ai une tonne de repassage à faire. Je suis terriblement en retard. Il faut absolument que je m'en occupe aujourd'hui. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, voilà, voilà. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous y allez faire du sport? Oh, non, mais tu te rends pas compte, Karen? T'es carrément en train de nous mettre dehors. Toi, tu
tu nous caches quelque chose. Moi, je sens quelque chose de louche. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Je vous ai dit que j'avais une tonne de vêtements à repasser. Voilà, alors... Bon, vous savez très bien, de toute façon, que quand je repasse, c'est un capharnaüm épouvantable, là-haut, hein. Vous savez que je m'étale. Ah alors oui, voilà, ça, c'est on tout. Sait, merci. Bon, bah, vous êtes prévenu, alors vaut mieux y aller. Allez, hop. D'accord. Bon, voilà, d'accord. Voilà. On a compris. T'es prête? Ah ouais, je... Tiens. Bon, voilà. Voilà. Voilà, tout à l'heure, les filles. Allez, à tout à l'heure. Et voilà. Mais on est bêtes. On est obligées de faire la liste de courses. Ah bah oui, c'est vrai, ça. Ça va nous faire gagner un temps fou. Oh, allez, viens, oui. On fait la liste. Alors, voilà, qu'il nous faut. Qu'est-ce que j'ai dit? Du sucre. Du coton. Coton. Du sel. Du lait. Du lait. Après tout, boire un café, c'est pas bien méchant de boire un café. Et puis si je sens que je commence à craquer, j'abrège. Voilà. Voilà, c'est ça, j'abrège. C'est pas plus compliqué que ça. Eh. Ah, évidemment, il y a le pacte. Ça. Et puis il y a Pierre là-haut. Si jamais il apprend que j'y vais, cela dit, il est pas obligé de le savoir. Si je suis discret et rapide, c'est ça. Discret et rapide. J'y vais. Pierre! Ouais, salut Paul. Oh, non, ça va? Ben oui, mais je croyais que tu dormais encore, moi. Moi? Mais tu rigoles ou quoi? Tu sais très bien que je suis matinal, moi. Hein? Vas-y, vas-y, par là. Waouh! Oh! Bon, ben... Qu'est-ce qu'il y a? Tu partais? Hein? Oui, j'allais chercher du café, il n'y en a plus. Tu sais, moi, si j'ai pas bu mon café le matin, je suis d'une humeur terrible toute la journée. Non mais attends, Paul, attends, regarde! Regarde ce que j'ai rapporté. Ouais. Tu te souviens? Non. Ma malle que j'avais dans ma chambre à l'université, bah, je l'ai récupérée. Formidable, non? Ouais. Mais tu sais, je l'aurais pas reconnue, hein. Elle a pris un coup de vieux quand même. Hein. Ah ouais, mais c'est normal. Et Marie-Christine, elle avait fichu au fin fond de la cave, elle est restée dans l'humidité pendant des années, c'est normal. Ah. Mais moi, je vais m'en occuper, je vais la bichonner, je vais la remettre à neuf, ma petite malle. C'est une bonne idée. Pendant ce temps-là, moi, je vais chercher du café. Non, non, attends, attends, Paul, t'as pas tout vu, regarde ça. Oh là, oh là là, oh, ça sent le moisi. Oh. Ah ouais, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça, l'odeur de moisi? C'est rien du tout, ça. Mais regarde plutôt ce qui... toutes les merveilles qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Tous mes souvenirs de jeunesse, regarde ça. Mon masque africain, regarde mon masque africain. J'ai lavé HD au Sénégal. Mmh. Alors, regarde ça, tu devineras jamais ce que c'est. Non, ah, je sais pas. Non. C'est un tapis péruvien. Un tapis péruvien, bah Léon, faut des petits pieds. Hein. Bon, allez, c'est parti. Oh, regarde, les maracas, regarde. T'as vu? Ouais. Ah, c'est fou l'effet que ça te fait quand je te montre tous mes souvenirs de jeunesse. Ah, c'est pas ça, mais je dois aller chercher. Mais mon bon sang, tu pourrais montrer un petit peu plus d'enthousiasme, c'est vrai, quoi. C'est toute ma vie que j'ai là. Toute ma vie, toute une vie dont Marie-Christine m'a privé pendant des années en m'interdisant d'accrocher le moindre de ses objets au mur. Alors moi, je parviens enfin à la convaincre de me laisser récupérer ses objets. Puis j'arrive ici, tout content de partager cette joie avec mon petit frère. Et qu'est-ce que j'ai en échange? Une tête d'enterrement. Merci, Paul. Merci, ça m'a fait très plaisir. Ouais, excuse-moi, je savais pas que ça te tenait tant à cœur. Bon, alors, vas-y, regardons, allez, regarde. Non, ça t'intéresse pas, laisse tomber. Mais si, si, ça m'intéresse beaucoup. Allez, bon, alors. Oh! Eh ben, qu'est-ce que c'est que ce machin à couleur, là? Oh! Ce machin à couleur, mais c'est un perroquet inca, ça. Donne-moi ça. C'est une antiquité, mon vieux. D'ailleurs, je pensais que ça irait très bien là, tiens, sur le bar. Quoi? Voilà. Attends, tu vas pas mettre cette chose affreuse sur le bar? Ah non, tu vas pas t'y mettre, toi, hein? Alors là, on dirait tout à fait mon ex-femme. Si, écoute-moi, Paul. Que les choses soient claires entre nous, hein. Je veux que ce perroquet se mette ici. Un point, c'est tout, sinon moi, je suis capable de déménager, t'as compris? Ça va, mais enfin, peut-être que ailleurs que sur le bar, non? Mais tu rigoles quoi? Il fait un effet bœuf ici, regarde, putain. Bon, monsieur, putain, fais ce que tu veux. Enfin, je sais pas, moi, t'aurais pu choisir autre chose chez ton ex-femme que toutes ces... ces babioles-là, je sais pas, moi, du mobilier, ça aurait meublé ici, c'est vrai. T'aurais pu trouver, tiens, une table basse, ça aurait été bien, une table basse. Regarde celle-là, elle tient plus debout. Regarde ça. Paul. On l'a. Quoi? La table basse, regarde. Et voilà. La malle? Bah bien sûr, la malle. Allez, vas-y, aide-moi à la mettre en place. Ah non, non, s'il te plaît, non, je vais pas me taper un déménagement le matin, moi. J'ai toujours pas bu mon café, alors moi j'y vais maintenant. C'est ça, d'accord, dès qu'on a besoin de toi, on sait où t'es, hein. Merci, Paul, je m'en souviendrai. Merci. Pas vrai, ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas vrai, mon petit, j'ai tous les mains. Voilà. Oh, tu fais exprès ou quoi? Mais c'est toi qui le fais exprès, à chaque fois que j'ai besoin de toi pour soulever quelque chose, tu me mets sur le pied, mais...
Qu'est-ce qu'elles font, Gérard? Enfin, c'est insensé. Ça fait des heures qu'elles devraient être arrivées. Oui, oui, je sais bien, mais d'habitude, elles sont déjà descendues. C'est moi qui voulais les surprendre pour savoir si chaque matin elles suivent bien le programme sportif que je leur ai préparé. Maintenant, je suis fixée. Il suffit que je m'absente là, pour faire quelques courses et elles en profitent pour tirer au flanc. Non, mais je vous assure, tous les matins, elles sont là, c'est promis. C'est ça, oui. Et comme par hasard, ce matin, elles ne sont pas là. C'est ça, hein? C'est ça. Bon, en les attendant, montrez-moi leur courbe de poids. Leur courbe de poids, bien sûr, mais... Oui, si vous y tenez. Le problème, c'est que je le mets ça sur un petit classeur personnel. Et je ne rappelle pas où je l'ai mis. Ça doit être peut-être par... Ah non, ça doit être... Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon petit classeur personnel. N'avais-je donc les yeux, hein? Mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! Mais Claire n'a perdu que 500 grammes en 3 semaines! Mais c'est immonde! Oh là là! Stéphanie qui a pris 1 kilo! La gourde qui grignote en cachette, mais ça, je le savais. Non, c'est pas possible, ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait au monde pour avoir des filles pareilles? Mais je vous le demande, mais qu'est-ce que je fais au monde? Ça, Dieu seul le sait, Cindy. Je vous en prie, mon petit Gérard. Hein. Je ne vous ai jamais demandé de jouer les moralistes. Excusez-moi, Cindy, je disais ça comme ça, façon de parler. Mais ça va pas se passer comme ça, hein, ça. Elles vont descendre et au pas de course. Moi, je vous le dis. Et je vais m'en occuper. Et puis, j'y passerai la journée, s'il le faut. Non, mais ça veut Allô? Oui. Comment? De la part de qui? Monsieur Laplace. Ah, c'est pour moi. Écoutez, mon petit bonhomme. Oui, Gérard est là, mais j'ai besoin de la ligne. Hein? Voilà, alors il vous rappellera, non, ok mais... Non, mais. Non, mais c'était. Mais... C'était Monsieur Laplace. Mais il rappellera. Mais oui, mais c'était Monsieur Laplace. Et Monsieur Laplace, c'est mon patron. Et là, vous venez de lui. Sur le nez, là. Non, mais c'est le genre de chose qui peut arriver à tout le monde, mon petit Gérard. Mais ne vous en faites pas, il s'en remettra. Bon, allez, maintenant j'appelle mes filles. C'est pour vous, quel blanc qui appelle encore. C'est pour moi, c'est Monsieur Laplace. Monsieur Laplace. Non, c'est parce que tout... Oui, non, mais tout à l'heure, c'est parce que... Non, c'est parce que c'est une dame plutôt qui... Oui, une amie, en quelque sorte, et... Cindy. Oui, c'est ça, c'est Cindy, c'est pas très... Mais oui, elle est encore là. Eh bien, je vous la passe, oui. Oui, monsieur Laplace, je vous la passe. C'est pour vous. C'est monsieur Laplace, ben, vous allez le comprendre. Ah, ben, allez-y. Oui, c'est pour vous. Vous allez voir. Allô? Oui? Ça, c'est... Oui? Mais il joue pas. Non. Si. Alors, vous trouvez qu'il y a une voix charmante? Mais vous savez que la vôtre n'est pas mal non plus. Oui. Non, je suis une cliente et une amie. Que je sois la vôtre aussi. Écoutez, pourquoi pas? Un petit souper aux chandelles un de ces soirs, mais on peut voir. Écoutez, bon, j'ai besoin de la ligne, cher monsieur. Alors, on parlera de ça une autre fois. Oui, Gérard transmettra, c'est ça. Oui, au revoir. Passons aux choses sérieuses maintenant, les filles. Et de la lessive, on en a encore? Ah oui, de la lessive, t'as raison, on avait oublié la lessive. Allez, ok, d'accord, la lessive. Maintenant, faut y aller, les filles, parce que j'ai vraiment besoin que vous partiez maintenant, d'accord? Vous me comprenez? Ça va, écoute, ton repassage peut encore attendre 5 minutes. Non, Stéphanie, là, il s'agit pas de repassage. Oh, les filles! Bon, allez, je vous le dis, j'ai un rendez-vous, voilà. Un rendez-vous? Et avec qui? Eh bien, j'ai rendez-vous avec Paul, et il doit venir prendre un café ici. Quoi? Oui. Paul m'a demandé de venir boire un petit café avec moi tout à l'heure quand je suis allée chercher du sucre, voilà. Ah, d'accord. Et pourquoi? Tu ne nous en as pas parlé? Je sais pas, moi. J'imagine que c'est par discrétion, c'est tout, voilà. Ah, et c'est pour ça, en fait, que tu nous poussais à sortir pour rester seule avec Paul, c'est ça? Oui, mais enfin, c'est... Tu sais comment j'appelle ça, moi? J'appelle ça de la traîtrise. Non, mais oui, c'est moche, Karen. C'est très moche. Mais attends, dis pas ça. Enfin, si vous saviez, il m'a supplié, mais vous pouvez pas imaginer à quel point... Tu aurais dû refuser. Bon, pourquoi j'aurais dû refuser? Pourquoi? Juste
par honnêteté envers nous. Voilà, exactement. Exactement, oui. Nous sommes toutes sur le coup. Et toi, si tu fais bande à part, c'est exactement comme si tu nous plantais un couteau dans le dos. Non, Françoise, c'est la meilleure. Bon, les filles, soyez honnêtes. Une minute, d'accord? Si Paul vous avait fait la cour comme il me l'a faite, hein, vous m'entendez? Et s'il avait insisté pour prendre un café avec vous, comme il l'a fait, eh ben je peux vous dire que vous auriez sauté sur l'occasion et vous auriez pas hésité une seconde. Osez dire le contraire. Hein? Bon, d'accord, d'accord, d'accord. Tu marques un point. Bon, merci Stéphanie. Bon, alors, le problème, il est simple. On est toutes intéressées par les garçons d'à côté. OK? Seulement, depuis le début, il faut quand même bien avouer que... on les a bien gâchés, nos chances. Bah oui, on les a gâchés. Et vous savez pourquoi on les a gâchés? Eh bien, à mon avis, c'est parce que, bêtement, on a suivi la tactique de maman qui consiste systématiquement à nous envoyer à la bataille en troupeau. Vous n'êtes pas de mon avis? Remarque, t'as pas tort. Bien sûr que j'ai pas tort. Mais non, moi, franchement, je pense qu'on a toutes nos chances de pouvoir les séduire. C'est vrai, hein? Mais à la condition express d'agir individuellement. Bah oui, si chacune d'entre nous essaye de les séduire en y mettant ses propres atouts, bah je pense que ça marchera bien mieux. Et là, on les fera craquer, c'est sûr. Non? Remarque, si on réfléchit. Oui, 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 moi je suis d'accord, tenter le coup seul, eh ben ça marcherait probablement mieux que la tactique du troupeau qui fonce tête baissée sur les deux brebis. Tu vois, Steph, c'est exactement ça. Bon, alors, on a le choix entre deux tactiques, hein, c'est simple. La tactique de maman, et alors là, c'est sûr, ad vitam aeternam, on reste les gourdes pour lesquelles elle nous prend, hein, c'est sûr. Ou alors, on devient les chefs de nos propres destins. Et alors là, on va lui montrer à maman de quoi on est capable en amour. Hein, ça vous dit ça? Ça vous dit? C'est pas bête. Je suis d'accord. Ah oui, moi aussi. Moi aussi, je vote pour. Ah, bah c'est génial! Bon, alors, les filles, ça veut dire que vous me laissez tenter ma chance aujourd'hui, OK? Bah, on peut pas faire autrement, hein. Et de toute manière, les dessins, je t'ai. T'as déjà rendez-vous avec Paul. Ouais. Et il doit venir à quelle heure? Bah, je sais pas, d'une minute à l'autre, là. Allez. Ce qui est dit, on te laisse. Oui, on ira, hein. C'est super. Merci. Bon, vous oubliez rien? Non, non. Voilà. Allez, bonne chance, ma Karen. Oh. Oui. Et, ben, sors le grand jeu, quoi. Oh, ouais. Fais-moi confiance, Steph. Tout à l'heure, je me raconterai, les filles. Oui. Wow, c'est génial. Oh, je suis un as. Je les ai roulés dans la farine. Plus à gauche. À gauche? Oui. Là? Mais non, je t'ai dit à gauche, pas de le tourner sur la gauche. Ah, ben c'est ce que je fais, là, à gauche, comme ça, là, c'est bon. Mais non, là, tu me mets de dos, là. Je te parle de la position de l'objet, pas de l'objet lui-même. Mais de toute façon, il est moche, ce perroquet. Alors qu'il soit de face, de profil ou de côté, c'est pareil, il est moche, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, t'as mal? Oui, c'est toi qui me fais mal. Déjà, tout à l'heure, je me suis blessé par ta faute, je suis presque impotent et t'arrêtes pas de m'énerver. Oh, ouais, ça va. Non, justement, ça va pas. Je te demande simplement de bien positionner ce perroquet. C'est pourtant simple, non? Bon. Alors attends. Là, comme ça, ça va? À gauche, c'est bien là, comme ça? Bah voilà. Tu vois, tu comprends vite, mais faut t'expliquer longtemps, toi, hein? C'est pas vrai, ça. Bon, alors maintenant, je mets quoi et où? Mais allez. Qu'est-ce que t'as? Regardez ta montre toutes les 5 minutes, t'es pressé ou quoi? Il est 11h du mat, figure-toi. J'ai toujours pas bu mon café. Alors si on pouvait accélérer le mouvement, ça me ferait plaisir. Ça va, j'ai compris. Okay. Bon, alors dis-moi, je mets quoi et où? Allez! Tiens, le masque, mon masque africain, là. Tu mets là-haut. Hein? Ah, sur le petit. Ça, cette horreur, tu veux que je mette au mur? Ah écoute, Paul, tu vas pas recommencer, hein? Là, c'est la place idéale, je te dis. Aïe! Oh! J'ai mal au pied. D'accord, alors je vais mettre ton masque africain au mur. D'accord! Bon, en tout cas, c'est bon. Ça ira. Je crois que ça serait mieux avec des fleurs, quand même. Ça serait plus romantique, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ça fait une heure qu'il doit être là. Pff, il aurait dû prévenir quand même. Bon, je sais que ça se fait pas, mais... on va toucher à rien d'appeler. Je vais appeler. Les filles vont monter. Je me dépêche. J'ai pas de tonalité. Oh non, c'est un dérangement. Mais vite, qu'est-ce que je fais?
J'y vais. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est la seule solution, hein. Et là? Là, ça va maintenant, là, ça va, hein? Non, non, Paul, non. Ça fait une heure que je te le dis. C'est plus à droite, écoute, enfin, c'est pas vrai. Enfin, tu fais exprès, ça fait trois fois que tu changes d'avis, y'en a marre! C'est pas de ma faute, j'arrête pas à voir d'où je suis. Ça signale que je suis allongé sur un canapé, hein? Eh ben, t'as qu'à te lever, voilà. C'est ça! Et si j'ai une fracture, hein? Tu veux aggraver encore plus ma blessure? Bon. Non, finalement, plus à gauche. Ah non. Là, tu pousses le bouchon trop loin. Pierre, tu pousses le bouchon trop loin, hein, y'en a marre! Enfin... Mon masque! Paul! Paul! Oh! Ça va, Paul? Ah, ça va pas du tout, je me suis broyé le dos là! Je peux plus bouger, dis donc! C'est vrai? Bon, attends, j'y vais, de toute façon, qui que ce soit, c'est forcément de l'aide. On va sortir de là, hein? Ah, bonjour Pierre. Je venais. Ah, Karen, vous tombez en pile. Bah oui, mais vous, mais qu'est-ce que c'est que cette blessure? Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? J'ai tombé et moi je me suis écrasé. On l'a échappé belle. Quand tu l'as dit, maman était furieuse qu'on ait refusé de suivre son programme, ma sœur. Moi, je l'ai jamais vu dans un tel état, c'est ça. Et en plus, notre téléphone qui était en dérangement, ça a pas arrangé les choses. Oh, ça non. Heureusement, monsieur Laplace est arrivé à temps. Moi, quand je l'ai vu débarquer avec ses yeux de merlan frit, son énorme bouquet, j'ai eu envie de l'embrasser. Moi aussi, monsieur Laplace. Ça a arrêté la colère de maman d'un seul coup. En plus, elle adore le merlan frit et les bouquets de fleurs. Oh, t'as les clés? Oui. Oh, attends, Stéphanie. Quoi? Si jamais on était remonté trop tôt. Non, enfin, je veux dire, si on tombe au mauvais moment. Oh, écoute, on a laissé assez de temps à Karen. Et puis nous, on va pas passer toute notre journée à la salle de sport avec maman. T'as raison, allez, vas-y, ouvre. C'est nous. Coucou. Bah là, elle est où? Où ils sont, tu veux dire? Regarde! Ils ont pas mangé les petits gâteaux! Ah bah oui, et puis les tasses sont propres! Oh non! Elle aurait tout de même pas osé! Oh non, tu veux dire qu'ils sont... Ah oui, oui, Karen, oui. Oui, comme ça. Oh. Ça vient de chez les garçons. T'as raison, on va voir! Viens, oui! Oui, Karen, oui. Ah ben là, c'est mieux, là. Beaucoup mieux. Ça, alors? Comme ça? Non, pas comme ça, non. Non, alors? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Là... Alors là, c'est... parfait. Ah oui. Ah, ça, alors? Parfait. Avec les deux, en plus. Ça va mieux comme ça? C'est mieux, là? Ah oui. Ouais. Ah, c'est bien, là. Ça, c'est très... Ça va très bien, ouais. Super, ouais, même. Non, ouais. Karen, vous êtes sublime. Vous êtes... Ouais. Génial. Ouais. Oui, Karen, vraiment, c'est... Génial. Bon, bah, quel accroché.